Dommage que le soleil est déjà parti, mais c'est un bel essai qui s'annonce. On a ici c'est un moteur de 125 chevaux si je ne me trompe pas, 1000 cm3, la version sport des Tiger, 235 kg normalement. On est parti pour faire un petit peu d'autoroute, des petits chemins de campagne et revenir sur une belle nationale qui est la route du Condro. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de vitesse. Et merde, l'embrayage nickel. Niveau sonorité, vous l'entendez peut-être pas à cause du vent, mais c'est parfait. Apparemment la bulle elle est confortable une fois qu'on s'abaisse. Ah ici, il y a vraiment la chance d'avoir un moteur bien linéaire qui répond en permanence. Des changements de vitesse parfaits. Qu'est-ce que c'est confortable Après, c'est une question d'habitude, hein, comme toute nouvelle moto. Mais je reste un passionné, un convaincu de la qualité des Triumphs pour cette sonorité, cette sensation. Un freinage, pardon, vraiment rassurant.
répond à n'importe quel coup sur la poignée, peu importe les tours minutes. Je suis à 3000 tours, elle ne cogne pas. C'est un plaisir. Niveau consommation, il y a moyen de descendre à 5 litres 2, ce qui est tout à fait correct. Ah, c'est vraiment autre chose que la Transalp. Ici, je ne sais même pas passer à 80 km/h. Alors que avec cette magnifique Tiger Sport, j'ai l'impression de pouvoir passer partout. Une chose que je verrais quand même bien, vous l'entendez certainement avec le bruit du vent, c'est de rajouter encore un déflecteur. Je pense que au niveau caméra, ça ne devrait pas être trop gâché par la bulle qui est déjà ici. Bon, elle n'est pas vraiment super esthétique, mais c'est déjà pas mal. Lorsqu'on ne veut pas de vent, ben, on s'abaisse, et là ça devient relativement correct. Mais le plaisir de se dire que dès qu'on tourne la poignée, ça ouvre. Au niveau des coûts des entretiens, on est à 170 € pour le petit entretien de 10 000 km. Et les gros, ça peut monter jusqu'à 450 €. Je pense que j'ai dit kilomètres tout à l'heure. Donc 170 € pour le petit entretien des 10 000 et jusqu'à 450 pour le gros entretien des 20 000 km. C'est quand même un budget à ne pas négliger. On va arriver ici du côté de Auton. Voilà, il sera déjà temps pour moi de me rediriger vers Marche en Famenne. Mais il faut regarder comme elle se penche quand c'est le jour et la nuit à côté de la Transalp. C'est maniable. Ça prend de l'angle, c'est un super compromis entre une belle sportive et un trail, puisqu'on a une position tout à fait confortable. Avec très bon caractère au niveau du moteur, une tenue de route, franchement, je n'arrive pas à voir de côté négatif. Si, un petit, il n'y a pas de warnings sur cette moto, c'est le petit côté négatif de la marque de Triumph, c'est qu'ils mettent rarement des quatre feux clignotants. Mais d'après la loi, c'est pas les quatre feux clignotants qu'on met en filtering, mais uniquement le clignotant de gauche. Mais dans la pratique, on tolère tout à fait de faire du filtering avec les quatre warnings. Ah, ça gâche tout, hein, camion. On voit rien du tout, c'est dangereux à dépasser.
ça c'est bon. Voilà, et ici nous arrivons sur le pont de Hotton. À quoi, 5-6 km de marche si je ne me trompe pas. Profitez qu'il n'y a pas de temps pour entendre la sonorité du moteur avec un pot d'origine qui est tout à fait correct. Mais il sera probablement adaptable en Akrapovic d'ici pas longtemps. Ça me fait perdre du temps. Et quand on perd du temps, on roule comme un imbécile. Ça, j'aime pas. Parce que j'ai pas envie de rouler comme un imbécile. Voilà, ça, c'est roulé comme un imbécile. En tout cas, si vous cherchez une petite balade à faire, je vous conseille de partir de marche, de vous diriger vers Saint-Saint, de continuer vers Eure et Bayonville, de poursuivre vers Hotton, d'où je viens maintenant, et de vous diriger vers Marche-en-Famenne. Le passage à vitesse est vraiment parfait. J'entends par là qu'il n'y a pas d'à-coup dans la boîte de vitesse. Au niveau des gaz, ce n'est pas aussi brusque que sur un bicylindre. Franchement, au niveau de la position du guidon, on a une position droite, un peu comme un trail. Ce qui est un petit dommage, mais ça compense avec le confort, c'est qu'on n'a pas cette position agressive qu'on a sur une Bandit, sur une Triple Street. C'est vraiment confortable. Ok, c'est une moto pour des grands gabarits quand même. J'espère que ça vous a plu, que ça a été un bel essai pour vous aussi, puisque avec une vue comme celle-ci, normalement, on est un peu pris, on a un peu l'impression de conduire également la moto. Bon, en tout cas, c'est encore un très bon souvenir. Et voilà, quand il faudra changer de moto, ça augmente encore un peu la difficulté pour le choix qui sera à faire. Et voilà, c'est vraiment difficile de choisir une moto. On aimerait un peu de la qualité de chacune, mais à moins d'être Crésus et d'avoir je ne sais pas combien. Excellent. Putain, c'est chiant ces camions. Ouais, impossible de dépasser. Ou pas. Encore, nom de Dieu! La vache! Ouais, facile. Allez. Bon, c'est sur ces images de merde que
Je vais terminer ma balade et mon essai de cette Triumph Tiger Sport, oui. 125 chevaux, 235 kg, 6 vitesses, normalement une faible consommation. Une tenue de route assez sportive, un moteur bien réactif, une belle sonorité, une position ultra confortable. On va voir un peu sa manœuvrabilité. Ouais. Franchement, c'est pas lourd. Pas comme la 1200. Et voilà, un bel essai. Dommage pour le soleil, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à passer sur la page Facebook pour voir peut-être encore d'autres photos. Et moi, je vais encore faire un petit tour de la moto pour avoir la meilleure prise de vue avec la GoPro 3. Allez, bonne route à tous.